Le Palazzo Castiglioni est un palais construit entre 1901 et 1904 pour un riche entrepreneur, Ermengildo Castiglioni, et confié à l'architecte Giuseppe Sommaruga. C'est un projet délibérément provocant et audacieux, se proposant de narguer en plein centre-ville l'élite intellectuelle milanaise de l'époque, particulièrement conservatrice. Un couple de nus féminins qui ornait primitivement l'entrée du bâtiment a dû être retiré en raison du scandale soulevé par ses sculptures. Aujourd'hui, le bâtiment est occupé par le syndicat des traders de Milan. Les ferronneries qui ornent la façade sont particulièrement originales. On remarque aussi la richesse du décor du hall d'entrée. La Casa Galimberti est considérée comme un des exemples les plus brillants de l'art nouveau à Milan. C'est un projet de l'architecte Giovanni Battista Bossi. La maison a été construite entre 1903 et 1905 pour les frères Galimberti. Cette architecture se caractérise par une façade richement ornée de carreaux de céramique, de fer forgé, de motifs floraux en ciment, tous dessinés par l'architecte Bossi. La Villa Campanini a été construite via Bellini par l'architecte Alfredo Campanini entre 1903 et 1906. Il l'habitera lui-même un peu plus tard, elle porte donc son nom. Les sculptures en ciment qui ornent l'entrée sont particulièrement remarquables, ainsi que le décor de la porte d'entrée en ferronnerie, les balcons,
et l'ascenseur. La Casa Berimeregalli a été construite entre 1911 et 1914. Elle est un exemple de l'art nouveau tardif à Milan. Le bâtiment puise son inspiration aussi bien dans l'art gothique que dans l'art roman ou même la Renaissance. Sa décoration en fait un chef-d'œuvre avec des solutions particulièrement originales, entre autres l'asymétrie des volumes de la façade. De multiples matériaux ont été utilisés, la pierre, la terre cuite et la ferronnerie, pour donner au bâtiment une particulière magnificence. Dans l'entrée, on trouve une sculpture d'Adolfo Wilt qui achève de donner au bâtiment une ambiance particulièrement étrange. Cet immeuble est un projet de l'architecte Giovanni Battista Bossi. Il a été réalisé entre 1904 et 1906 pour Giacomo Guazzoni. C'est un important exemple de l'art nouveau de Milan. Il est caractérisé par le libre traitement du ciment et par l'application de précieux fer forgé. La décoration se développe surtout dans la partie du socle émergent avec des poutis qui soutiennent les balcons et avec des garde-corps ornés de différentes façons. L'effet chromatique, qui est plus exactement appelé clair-obscur ici, est obtenu avec l'emploi de matériaux différents, ciment et fer, constituant en même temps structure et décoration.
dans l'entrée devant la conciergerie, ont été retrouvées en 1997 des peintures d'un lac avec des plantes aquatiques. Le corps des escaliers est hexagonal avec une rampe en fer forgé et les marches en marbre. On a restauré en 1997 la plinthe marmorisée et les décorations florales sur le plafond et les côtés. Il est impossible d'évoquer l'art nouveau milanais sans se rendre au cimetière monumental, véritable musée à ciel ouvert de la sculpture et de l'architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.